Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve non pas sur Farming, ni sur ETS2 et ATS en multi ou en solo, ni sur mon bureau pour un nouveau tuto. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez bien vu, je pense que vous connaissez bien, c'est Homecity 2. Ça fait quelques années que le jeu est sorti. Donc, j'avais envie de faire une petite série dessus. Voilà, donc on sera pas en solo, mais en multijoueur, mais on va croiser quand même des voitures. On aura une mini-carte, donc vous verrez peut-être des petits logos carrés avec des noms de pseudos qui vont être sur la map, sur la mini-carte, hein, mais qui ne sera pas sur, qui ne sera pas sur, on va dire, qui ne sera pas, donc on va pas croiser, on va dire, voilà, je vais arriver. Donc, on va pas être en multijoueur, on va être en single player. Pourquoi? Parce que multijoueur, je peux pas rentrer dans une entreprise. Je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, on va aller en single player. Vous verrez que j'ai bien avancé. C'est ma partie, j'aime bien c'est une partie des temps que j'ai envie de jouer, etc. Donc, aujourd'hui, on va aller en single player. Bim. Donc, voilà. J'ai pas envie de faire jeu libre parce que on gagne pas d'argent. Classement, bah après, vous pouvez regarder le classement. Le classement, si je regarde. Moi, je suis Migaming 840. Hein. Ouais, je suis en rang. Voilà. On va faire type de carrière. Donc, historique de la carrière de chargement. Vous verrez que j'ai plein de bus. Alors, j'espère que la capture ne va pas laguer. Si vous m'entendez toujours. Vous verrez qu'il y a plein de bus. Il y aura des dépôts. Parce que c'est pas pareil que multijoueur. Mais si vous voulez une présentation, un tuto. Il n'y a pas de souci, je vous en ferai sur MC2. Au début, je comprenais pas, maintenant j'ai compris comment faut faire une ligne, comment rendre la balle. Bah, monnaie, après, on sait comment faire les calculs, mais des fois, il y a des comblages et des bus modés, vous allez peut-être voir, où je suis obligé de faire un CTRL-T, je crois que c'est CTRL-T, pour rendre la monnaie, parce que si je donne correctement la bonne monnaie, ça met que j'ai pas donné assez de monnaie. Vous comprenez un petit peu le truc. Donc j'espère que le chargement va pas trop durer. Peut-être que je vous ferai peut-être une coupure pour aller sur quand on sera en jeu. Donc là on est en jeu, mais on est dans la partie un petit peu entreprise. C'est différent du multijoueur. Multijoueur, vous avez les impôts, etc. Là on n'a rien d'autre. On a juste à faire réparation des feux, etc. Faire le plein, changer la plaque, changer le skin, gérer le compte en banque. Vous voyez, j'ai 17 bus, j'ai prévu d'en acheter d'autres, mais j'ai un emprunt en cours que je dois rembourser et me faire pas mal de pognon. Ça, c'est sûr. Vous voyez, hein, ça, y a les tâches, etc. Assurer un parcours, examen de conduite, etc. Là, vous avez le nombre de cartes. Alors, on va aller sur Grundorf. D'accord, Grundorf, là vous avez la boutique, mais la boutique c'est les points CTM pour débloquer les experts en atelier, le nombre de garages, le nombre de cartes disponibles maximum qu'on aura, et le nombre de bus, de places de bus pour l'entreprise, après c'est l'atelier, l'expérience, etc. Après on peut changer 1000 euros en CTM, mais je ne vais pas le faire, du coup je vais faire ça. Donc aujourd'hui, voilà, donc vous avez les finances, vous voyez, depuis le début. Alors c'est pas depuis le début, j'ai commencé il y a longtemps. Là vous voyez, Grendorf, développement, etc. Donc ça coûte de l'argent, etc. J'ai un emprunt en cours, donc j'ai emprunté 40 000 euros, mais je dois rembourser 44 000 euros. Oui, parce que si vous lisez bien, donc là c'est. Donc là, à chaque fois que je vais gagner de l'argent, il y aura 50% de mon argent qui vont être pris pour rembourser un peu l'emprunt, qui va être déduit dans l'emprunt. Que j'ai en remboursé. Les intérêts sont 10%, donc 40, hein, si vous mettez 10%, ça fait 4 000 euros, donc ça fait 44 000 euros au total à rembourser. Il me reste encore 27 000 euros à faire, donc voilà. Après, je peux rembourser, mais si je renforce, je vais être en négatif. C'est bien, ça pourrait être en négatif, je sais pas combien de temps, je sais pas le maximum de négatif, mais bon, là vous avez l'examen de conduite, mais on va pas le faire. Donc aujourd'hui, on va assurer un dépôt, on va assurer un tour. Alors là, vous avez là c'est selon les dépôts que j'ai. Donc j'ai Berlin-Spandau, bon, j'y vais pas trop. Berlin-Spandau, j'ai Munich, c'est la nouvelle carte qui est sortie gratuitement. Parce que oui,
J'aurai des DLC gratuitement et un truc gratuitement. Mais on va commencer gentiment, assurer une rotation. On va aller sur ma map à moi qui est Grandorf, où j'ai tous mes véhicules. D'accord? Bim, on va faire la 2, 2, 2, 2. On va faire celle de 8 heures. Voilà. Alors ici, j'ai tous mes bus. Désolé, il y a tous mes bus. Vous voyez, je peux tout faire. Hein. Alors là, ils sont peints sur TZD parce que c'est l'entreprise TZD que je voulais rentrer. Du coup, j'ai toutes les skins TZD. Donc un petit clin d'œil si vous voyez cette vidéo. Voilà. Aujourd'hui, on va prendre le man. Le 91, 92. Le 91, il a ça. 92, il a ça. Après, c'est facelift. J'ai des Cetra, j'ai des Van Hool. Et ben, vous savez quoi? On va aller faire celui-là. Allez, conduire celui-là. Voilà. Donc, c'est des véhicules d'occasion. Hein. Quand vous voyez 149 000 km, c'est le kilométrage d'occasion. Hein. Après, voilà. Mais neuf, ils sont partis 100 km, mais je ferai un petit détail. Je vous ferai peut-être une présentation si vous en avez envie. Donc 100 km, ils ont. Bon, les un peu plus. Le plus gros, c'est le Van Hool 2002. Donc ça, je change pas parce qu'on a 5 minutes. On a Grendorf, c'est le point off, donc ça c'est bon. Oui, les collisions. On va faire continuer. Et là, on va attendre le démarrage. Peut-être que ça va être long, peut-être que ça va être long. Alors, à combien de minutes, hein, parce que je parle, hein, mais bon. On est à 6 minutes, 7 minutes. Je pense qu'on va faire un petit dépôt, le temps que ça charge. Et le temps que ça me met en jeu. Alors j'espère que vous verrez tout, l'attelage, tout ça, etc. Donc je connais la ligne, etc. Donc vous verrez bien. Voilà. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire une petite coupure, d'accord? Je reviens tout de suite. Donc du coup, j'ai eu un petit souci, j'ai dû redémarrer MC2. Il a fait un peu son flemmard, comme ça fait presque un mois que j'avais pas lancé le jeu. Donc on est sur le truc, donc on a les bus de base. Hein. Déjà, donc c'est un man 1291 et tout. Donc ce qu'on va faire, donc là on a tout ce qui est marqué, hein. De toute façon je vous expliquerai tout. Si vous entendez du bruit, désolé si c'est un peu trop fort pour vous, mais on sera dans le bus, ne vous inquiétez pas. On va enlever ça parce que je connais la ligne. Donc on va faire une petite photo, une autre photo. Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est différent d'Homme C2. Donc déjà on va allumer le circuit. On va démarrer le véhicule. Voilà. Donc je vais rentrer ma ligne. Donc c'est mon service. Je connais le truc. Tac, 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 tac. Ça c'est bon. Je fais. Ok, c'est bien. Voilà. Je mets pas le frein, mais il y a certains bus, je suis obligé de mettre juste le truc de frein, je peux pas mettre mon service. Là, je mets mon service, mais le truc de frein, mais je peux pas le mettre sur le véhicule. Donc là, il n'y a rien, il n'y a rien. Et moi, ce que je cherche, c'est ça. C'est ça, c'est. Alors, ligne, je sais ce que c'est. S'il veut bien. Il a un peu du mal de. Le jeu est un peu du mal aujourd'hui. Enfin, après un mois de démarrage, un petit coup de lag, des trucs comme ça. Alors. Il y a certains bus mode où je suis obligé de. Alors, je suis en train de réfléchir. Donc, un. Et voilà, donc j'ai ma ligne, j'ai mon nombre de place, j'entends des trucs. Il fait 8 degrés, 14 dans le bus. Le bus il est pas chaud, il est en train de chauffer. Je démarre à 8h07, je crois. Enfin, c'est facile. Je le fais ici, 8h07, on a le temps, il démarre.
Ce que je vais faire, je vais l'accélérer, donc je vais dire attends. Là, vous ne devez pas m'entendre, mais je m'excuse, mais je suis obligé de faire chauffer. Une fumée, hein, elle démarre le camion. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui faut appuyer pour ouvrir la porte. D'autres, c'est direct. Ça, c'est sur les grosses modèles. Alors, j'ai modifié un peu mon jeu. Donc, les gens parlent français. Ils parlent français. En français, donc voilà. Bon, le bus il n'a pas trop chauffé. Donc. Ah oui, si vous avancez pas, il faut rappeler sur le truc. Bon, il ne peine pas trop du froid, mon gars. J'ai un peu des coups de lag. Là, c'est la capture. Les deux bus sont bien chauffés avec un peu d'effort. Là, on a 14. On va éviter les coups. Vous voyez pas mal d'air, vous voyez les radars.
c'est vrai que si vous appuyez pas. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Elle va me demander un ticket. C'est ça. Alors j'ai même mis les vrais billets. Si elle voulait, hein. C'est ça. Donc, je crois que c'est là. Un ticket sur le coup. 2 minutes, madame. Ah putain. Prenez la monnaie, ça arrive aussi. Bonjour monsieur. Un ticket monsieur s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, montez. Je peux l'ouvrir manuellement, il y a un système. Sinon, je peux l'ouvrir à s'ouvre automatiquement derrière. J'ai rien à toucher. Voilà, vous l'entendez. Voilà, vous l'entendez ici devant. Ça caille dans le bus là. Bonjour. Est-ce que vous voulez, monsieur ? Il y a deux petites minutes, ça caille. Que de la liste. Même si deux est bien optimisé.
Andrei. Des vidéos de vous inquiétez pas. Oula. Là vous voyez le nombre de passagers qui descendent. J'attends que la porte se ferme. J'entends un peu, mais vous n'êtes pas trop l'entendre avec le chauffage. Et voilà, on a fini le truc. Hop. Regardez, un bus, il a fait un cran. Je vais tout remettre comme c'était. Hop. Pour mettre à zéro, je fais comme ça. Voilà. Et on va arrêter le moteur. Et ça fait du bien. Quand ça s'arrête. Il y avait une touche. Ah, c'est celle-ci, voilà. Et là, je peux faire ça. Tac. Donc, ça va m'actualiser. Non, c'était pas ça. Voilà. Et maintenant, je peux faire terminer ma course. Ah, maintenant, ça charge. Voilà. Donc là, vous avez vu, tout, c'est une petite ligne, hein. Voilà, tout est bon, j'ai rien eu, tout est 100%. Alors, je vais pas gagner beaucoup, je vais gagner 300€, 500€, on va voir. Parce que j'ai fait 1,4 km pour 9,10€ du ticket, du revenu. De toute façon, c'est pas ça qui me fait gagner de l'argent, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Là, c'est le cumul, donc ouais, donc 85%. Excellent. Alors, vous n'allez pas voir le total que j'ai eu. C'est un petit bug que j'ai. Donc, vous avez la prime taxe. Donc, comme c'est 20%, c'est réel. Et voilà, j'ai gagné 589€. Sachant qu'il va en avoir. Je vais toucher 200, 300€. Donc, retour au bureau. Après, je peux rassurer une ligne. Et voilà. Et voilà. Donc, voilà, la taxe 300€ pour 500. Voilà. Donc, il me reste à payer encore. Après, je sais que je répare des bus, etc. On va aller voir en atelier s'il veut bien. Je crois que j'ai un petit fait une petite erreur. Non, là, c'est moi qui charge. J'ai rien. Après, tous les autres bus, ils ne demandent pas beaucoup de trucs. Ici, j'ai deux bus. Voilà. Ici, j'ai rien. Ici, j'ai rien non plus. On va attendre un peu. Ici, j'ai rien du tout. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vais vous laisser ici. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager,
à commenter si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à vous abonner ou à disliker, liker, voilà tout ça. N'hésitez pas à venir dans la à regarder dans la description pour tout, pour faire un don, etc. Tout ça. Pour la prochaine fois, soit PC Building, soit Farming. Farming, j'aurais bien avancé. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et moi je vous retrouve. Je vous retrouverai très vite pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis bye bye.